Précédemment. Après avoir secouru Romilda et réparé le mécanisme Aslante à l'origine des tornades, Layton et les autres obtiennent enfin l'œuf. Se rapprochant ainsi de leur but final, nos héros doivent poursuivre leur aventure. Une fournée prodigieuse. À Winstead, un jeune boulanger a cuit une quantité astronomique de pain pour la fête de la moisson. Tout le village est mobilisé pour ne rien gâcher. Sans vouloir me vanter, j'ai fait partie, dans ma jeunesse, d'un groupe de chanteurs tyroliens. Je crois que je vais profiter de notre séjour ici pour pousser la chansonnette. Ah, sapristi, j'ai le nez qui gratte, c'est terrible. Où est-ce que Bella est partie se fourrer ? Honorable prophétresse de Maître Eolus, en guise de remerciement pour avoir sauvé le village, veuillez accepter cette énigme. Thank you.
La colère de Maître Eolius ne soufflera plus sur notre village. Maintenant que je n'ai plus à exécuter ces terribles cérémonies, je vais pouvoir dormir la conscience tranquille. Dans la région, on cultive principalement le potiron. Comme ils sont bien lourds, ils ne s'envolent pas si facilement. Voilà qui est très logique. En revanche, pour les porter, il faut avoir le dos solide. Avec mes sœurs, on s'occupe de les vendre au marché. Tiens, ça me rappelle une énigme. On manque souvent de personnel pour la récolte des potirons. Je crois que je vais demander à Romilda de nous aider. Non mais depuis tout à l'heure, vous avez pas le son de ma voix et du jeu. Je suis vraiment un demeuré. Aïe aïe aïe, je m'excuse. Est-ce vraiment une bonne idée? Elle me semble trop fragile pour ce genre de travaux. Ah, ne vous inquiétez pas, elle est bien plus forte qu'elle en a l'air. C'est d'ailleurs la fille la plus forte du village. D'accord, me voilà ravi de l'entendre. Ah, je m'excuse. Bon, je fais du montage pourri derrière, désolé. Le Vioc. Oh là là, mais c'est la fournée des énigmes. Oh oh. Dites, est-ce qu'avant de partir, vous pourriez aider un vieillard dans le besoin? Enfin, ce serait plutôt mes amis qu'il faudrait aider. Je leur ai prêté une tente, mais ils l'ont mise dans un sale état. S'en serait-il servi ici? Avec ce vent, ce ne doit pas être facile de monter une tente. Eh bien, ils ont cru qu'une fois les tornades disparues, il n'y aurait plus aucun problème. Ils se sont lourdement trompés. Dommage pour eux. Énigme 98. L'étoile filante. Oh, magnifique jeu de mots. Lors d'une expédition en montagne, une rafale de vent a balayé la tente de ce petit groupe d'amis, les laissant en proie aux éléments. Toutes les pièces de la toile ont été retrouvées, mais il faut maintenant les recoudre de sorte que les couleurs de deux pièces côte à côte correspondent. Pour compliquer la tâche, le groupe d'amis a ramassé une pièce de toile qui ne fait pas partie de leur tente. Pouvez-vous recoudre leur tente afin qu'ils aient un abri où passer la nuit? Ok. Donc faut que deux couleurs se suivent. Deux couleurs côte à côte correspondent. Ok. Moi, ce que je comprends, c'est que il faut faire des paires. Donc, il faut compter le nombre de chaque. Là, celui-là, il y en a 4. Donc, il faudra un nombre pair, idéalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 croissants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour moi, un nombre impair de croissants et d'étoiles, donc ça veut dire qu'il y a un croissant étoile qui est en trop. Genre lui. C'est mon hypothèse de départ. On va voir. Hein. Pardon, on va cacher l'énoncé. Donc on a dit pas celle-là. Ah mais il y a une question d'ordre aussi. Donc là il faut une étoile. Si je fais ça, ça veut dire qu'il faut ça. Non, pas du tout. Il faut celui-là. Mais sauf qu'on a dit que c'était celui qu'on voulait pas utiliser. Donc lui est pas bon. Attends. Est-ce que le mieux serait pas
peux commencer comme ceci. Merde, elle est dans le mauvais sens. Celui-là aussi. Ah! Si, en vrai. Ok. Là, on est bon. Vérifions cette hypothèse. Bravo! Cette énigme était passionnante. Merci. Bon travail! Vous avez réussi à réparer la tente. Quelle couleur resplendissante! Elle est dégueulasse, ouais. Cap Royal. Oh oh, merci beaucoup. Je ne peux que vous recommander de ranger précieusement cette tente. Très bien. Il faut qu'on trouve un boulanger. Tiens, Amélie. Elle est où, Shelmy? Oh, bonjour, Amélie. Votre mari n'est pas avec vous? Eh bien, pour vous dire la vérité, nous nous sommes disputés. Je voulais lui faire goûter les spécialités locales et j'ignore pourquoi, mais ça l'a vraiment mis en colère. Ainsi, vous a laissé toute seule? Ce n'est pas très gentil de sa part. Non, ce n'est rien. C'est juste que je m'ennuie un peu sans lui. Alors pour passer le temps, j'invente des énigmes. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous pondre? Recoller les morceaux. Après avoir fait de la peine à sa petite amie, un jeune homme se rend à sa boutique pour s'excuser. Mais il ne trouve qu'une boîte de brownies ainsi que ce message. Place ces brownies de façon à ce qu'elles représentent ce que j'aime le plus. Et je te pardonnerai. Cinq d'entre eux ne peuvent pas être déplacés. Il ne doit pas y avoir deux fois la même couleur côte à côte. Qu'aime-t-elle plus que tout? L'enseigne de la boutique est peut-être un indice. Elle aime les chats. C'est facile. Faut juste refaire la forme. Par contre, le truc de me dire oui, peut-être que l'enseigne est un indice. Tu perds l'indice, hein. Voilà. C'est pas bon? Ah mais la forme aussi doit être prise en compte alors. Il y a quoi d'autre comme indice qui pourrait... Ce serait bien un motif, mais... Quel motif on doit faire? Peut-être des carrés, hein. Ben non, ça paraît très bizarre. Parce que là, il n'y a rien. Donc, on a fait la forme du chat. Ça, d'accord. Après avoir fait de la peine à sa petite amie, un jeune homme se rend à sa boutique pour s'excuser. Mais il trouve qu'une boîte de brownies ainsi que ce message. Place ces brownies de façon à ce qu'elles représentent ce que j'aime le plus. Et je te pardonnerai. Cinq d'entre eux ne peuvent pas être déplacés, ne doivent pas y avoir deux fois la même couleur. Côte à côte. Oui, d'accord. Qu'aime-t-elle plus que tout? Quand on dit la couleur, c'est-à-dire que... Là, par exemple, celui-là est blanc et orange. Celui-là aussi. Mais le motif n'est pas le même. Là, par exemple, ouais. Ça n'irait pas parce qu'il y a deux fois le sablier.
Là, il n'y a pas deux fois la même couleur côte à côte, si. Moi, ce qu'ils considèrent vraiment... Parce que ça et ça, techniquement, c'est les mêmes couleurs. Non, c'est bizarre. Deux fois la même couleur. Bon, il faut faire une espèce de symétrie. Quoi, ce chat qui passe? Pourquoi il y a un chat d'un coup qui est arrivé? J'ai envie de prendre un indice, mais on a la forme. N'est pas cette histoire de couleur. Mais ça, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on fasse le chat. Placer les 5 par contenant du chocolat noir, comme indiqué ci-dessous, pour former notamment les oreilles et le nez du chat. Ouais. Ok. Des brunets avec un motif en la, en forme de X doivent être placés dans la rangée centrale ainsi que dans la colonne centrale de la façon illustrée ci-dessous. S'habiller vers le haut. Non, 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 je vais pas quitter. Ok, là c'est bon. Horizontal, horizontal, vertical, horizontal, horizontal. Horizontal, horizontal, vertical, horizontal. Horizontale. Il faudra intervertir. Ça. Alors là, là je vois pas du tout. En fait, c'est cette histoire de couleur qui me perturbe. Pour moi, celui-là et celui-là, c'est deux couleurs différentes. À moins que celui-là, avec une rotation, tu tombes sur lui. Et tu vas tourner 90 degrés dans le sens antihoraire. Bon. Assembler les brownies près des oreilles du chat comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à agencer ce qui se trouve près du nez. Vers le haut. C'est une horrible énigme. Ah. 7 de 4. On y est presque.
Ah oui, mais quand ils disent de couleur, c'est de couleur adjacente. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est pas bon. Attends. Aux oreilles du chat, comme ceci, il ne reste plus qu'à agencer ce qui se trouve près du nez. Ah oui, c'est-à-dire que là, l'agencement est pas bon. C'est pas bon ça? Ah non, parce que lui est pas bon. Lui est pas bon. Oh, Yaga. Attends, on va annuler. On va recommencer. D'accord. Ça, on a le chat. Ça, d'accord. Ensuite, donc c'est horizontal. Horizontal. Non, horizontal. C'est cela. Vertical. Horizontal. Horizontal. Ok, le chat is coming. Assemblez les brownies près des oreilles du chat comme ceci. Comme ça, c'était... Ok. Maintenant, c'est près du nez. Donc, c'est les quatre qui sont là, quoi. Ça, c'est bon. Acceptez cette réponse. Oh! Quelle galère! Cette énigme était très bien conçue. Je suis d'accord, mais quelle galère! Bon travail, la petite amie de ce jeune homme aime de toute évidence beaucoup les chats. Voilà qui devrait la réconforter. Eh ben. J'ai demandé à ce jeune couple si je pouvais utiliser leur four pour faire cuire quelques gâteaux. Vous parlez de Romilda et Julien, c'est bien ça? Oui, c'est bien eux. Mon entêté de mari sera vraiment content quand il verra mes gâteaux tout juste sortis du four. Très certainement. J'espère qu'il va bientôt revenir. Ils habitaient où les deux? En voilà une! Ah oui, c'est quoi qui faisait ce bruit déjà? Ah oui, c'est ça, c'est le pilon. Oh, Amy, vous voici. Votre présence enchanteresse remplit mon cœur d'une douce ivresse. Éclairez-moi, jeune demoiselle. Par quel miracle conservez-vous si bien vos atouts charnels? Je m'entraîne aux arts martiaux chaque matin avant le petit déjeuner. Mais cela ne vous regarde en rien. Ne vous offusquez point, cher Amy. Je vous demande la conseil pour mamie, qui s'imagine avoir pris de l'embonpoint. Tout de même, elle ne peut pas avoir grossi tant que ça depuis la dernière fois. Ah, mais est-ce que cela aura un rapport avec l'article du World Times sur la fête de la moisson? Je me vois dans l'obligation de confirmer tes soupçons, cher et perspicace garçon. Ces festivités demandèrent de moi un auguste nombre de pains que nuit et jour je m'efforçais de fabriquer en mon pétrin. Oh là là, ça devait en faire vraiment beaucoup. Mes pains ne pouvaient toutefois attendre le lendemain. Les pains ne pas durcir ont été consommés par un village plein d'entrain. Mais de toute évidence, vous aviez fait beaucoup trop de pain. Que s'est-il passé? Bien, je dois tout vous avouer. Sans toutefois ménager ma peine, à mes noces prochaines, mon esprit partit rêver. Enfariné dans ce songe tant désiré, j'ai fait plus de pain qu'il suffisait au village pour se rassasier.
Cela vous a d'ailleurs valu un article dans le World Times. Julien. Voilà, Romilda, la colombe qui devant mon cœur d'émotion succombe. J'avais peur que tu te sois à nouveau laissé distraire. On ne pourra pas faire une fête de la moisson tous les jours, tu sais. Tu dis la vérité, mais dès que tu t'éloignes de moi, mes pensées d'elles-mêmes s'égarent, jusqu'à ce qu'enfin je te revoie. Semblez-vous porter comme un charme, Romilda. De toute évidence, votre fiancé s'est inquiété pour rien. Ah oui? Et que vous a-t-il raconté? En fait, rien de particulier. Cette bonne amie m'a été d'excellents conseils. Ces arts martiaux sont ce qu'il te faut pour conserver ta taille d'abeille. À la bonne heure. Quand tu t'emportes de la sorte, je ne demande pas mieux qu'à me défouler. Allons, Romilda, qu'est-ce que je fais pour mériter cette blessure-là? Ton apparence t'inquiète énormément, mais je m'évertue à te le répéter. Je t'aime tendrement et tu n'as rien à changer. Julien, nous avons eu cette conversation de nombreuses fois déjà. Pour notre mariage, tout doit être parfait et je ne veux faire aucun compromis. Sinon, autant ne pas se marier. Mamie, de ne pas être aussi intransigeante, je te supplie. Je comprends votre point de vue, mais je crois vraiment que vous n'avez aucun souci à vous faire sur votre ligne. Le pensez-vous vraiment? Si ma robe est trop petite, les boutons risqueraient de craquer. Et ça, j'en mourrai de honte. Ta robe n'importera pas tant que la pureté incarnée qui la portera si noblement. Oh Julien, toujours si flatteur. C'est ce qui se produit quand je laisse parler mon cœur devant toi si attendri. Je suis on ne peut plus sûr que votre mariage sera magnifique. Envoyez-moi les photos, d'accord? Bien sûr, ami. Faudrait que vous nous donniez votre adresse. Oh, et avant que vous ne partiez, j'aimerais vous donner quelque chose pour vous remercier de votre gentillesse. C'est un petit souvenir que je... Ah, je ne l'ai pas sur moi. Je suis sûr qu'il est quelque part dans ce moulin. Aidez-moi à le chercher, s'il vous plaît. Allez. D'accord, mettons-nous au travail et fouillons ce moulin de fond en comble. C'est la radio. Où est-ce qu'elle pourrait aller? C'est cette lampe. C'est cette pièce SOS. J'ai une furieuse envie de fouiller dans cette armoire. Julien vient sûrement s'assurer le temps que son prince finisse de cuire. L'odeur du pain frais se marie parfaitement à celle du thé. Mais non, je vais leur parler à eux. Ah. Moulin de poche. C'était ça? J'espère qu'on vous verra au mariage. Avant de vous en aller, n'oubliez pas de prendre le souvenir qui en notre demeure a été mal placé. Non, bah, je crois qu'on la récupère. Ok. Ensuite, dans le World Times. Non, attends. Il fallait que je regarde le World Times. Les fameux moutons de Winstead. Winstead est réputé pour son élevage ovin et les touristes se déplacent en masse pour goûter son célèbre ragoût de mouton. Oh là là, mais qui va nous parler de ce ragoût de merde? Bon, ça, Amélie, c'est fait. Il n'y a plus rien dans la salle, on est d'accord? Ah si, il y a... Ah ben c'est Rupert. Oh, une énigme, oui! Incroyable! Après tout ce temps, ces mécanismes ascendants fonctionnent encore. Bonjour, monsieur Impert. Ah, professeur Letton. On ne parle que de vous dans ce village. J'imagine que c'est vous qui avez découvert la vraie nature de cet endroit. Oui, mais c'est l'amour d'un jeune couple qui nous y a menés. En fait, mon rôle a été du plus modeste. Effectivement, l'amour peut accomplir des miracles. Bon, pendant que je vous tiens, serez-vous tenté par cette énigme? Non? Au revoir? 50k. Oh, le centième! Tout en ballon 2. Une petite fille attend avec impatience une livraison de fleurs de la part de son clown préféré. Guidez-le jusqu'à elle. Associez les 4 commandes, sautez une case, tournez à gauche, tournez à droite et allez tout droit aux 4 symboles d'animaux pour définir l'itinéraire du clown. Pouvez-vous l'aider à livrer les fleurs sans tomber du plateau? Ok. Imaginons. Moi, je pense que le lapin. C'est soit un tout droit. Soit un tourné à droite. Je pense qu'il va arriver comme ça.
Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée déjà. Donc là, c'est je tourne. Là, c'est je monte. Ouais, mais tourne dans le sens. Ouais, ça veut dire que s'il arrive comme ça, elle fait. Et merci à tous. L'autre idée, c'est que le lapin est en tout droit. Et dans ce cas-là, bon, bah, ça fait comme ça. Et ça veut dire qu'il faut qu'il arrive là. Et qu'il se passe un truc avant. Là, ça ferait un truc comme ça. Mais là, faudrait qu'il tourne s'il passe par là. Et là aussi. Donc ça, c'est cette hypothèse-là est peut-être bonne. Et du coup, lui, il faudrait qu'il passe de... comme ça. Sinon, il tombe dans le vide. Oui, c'est dans ce sens-là. Ça fait que du coup, ça fait un truc du style comme ça. Et si le chat c'était tout droit et l'ours sautait? Tu veux voir ça? Pas du tout. Peut-être que l'ours est sauté effectivement. Et qu'il va sauter au-dessus du lapin à la fin. Non, alors inverse. Pas du tout. Bon, il n'y a que 24 possibilités, j'ai envie de dire. Ok, bon, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. Moi, franchement, l'ours sauter une case, ça me paraît bien. Essayons ça. Ça a l'air pas mal, hein. C'était bien. Je suis confiant. Bravo. Voilà une bonne chose de faite. Bonne réponse. Les commandes doivent être assignées comme suit. Chat, aller tout droit. Ours, sauter une case. Lapin, tourner à droite. Éléphant, tourner à gauche. La petite fille a apprécié la performance autant que les fleurs. Tu m'étonnes. Bravo. C'était une énigme excellente. Je vous en remercie. J'ai été tellement pris par mes recherches ces derniers temps que j'en ai oublié l'amour. Pourtant, c'est un sentiment très noble qu'il ne faut pas négliger. Mais suis-je vraiment bien placé pour parler d'un sentiment que je n'ai pas la chance de connaître? Pourquoi il y a une tarte? Oh, merci. Merci pour la pièce. Ces fruits ont vraiment l'air délicieux. Il doit s'agir d'une offrande. Mais à qui serait destinée cette offrande? Les coupelles destinées à accueillir les offrandes sont assez récentes. Ouais, et moi j'ai bouffé la tarte pour le dieu. Bon, alors les moutons, c'était le premier mec au tout début. Je crois qu'il y a des moutons là derrière. Parce que la vache, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec les moutons. Toi, t'en as à foutre. Atcha! Ah, j'en peux plus de surhomme des fonds de malheur. Bonjour, Pieter. Dites à Bourbon n'est pas avec toi? Elle est partie en courant. Elle est colérique en ce moment. Une vraie femelle. Oula, c'est misogyne, ça. Quel gentleman. Est-ce que par hasard, tu aurais dit quelque chose qui l'aurait vexé? Bon, pas que je sache. Elle est partie comme ça d'un coup. C'était ne rien comprendre. Ça me rappelle un article du World Times sur le célèbre coup de mouton de Winstead. Hein? Mais c'est sûrement pour ça qu'elle s'enfuit. Elle savait qu'elle allait être bouffée en ragoût. Mais c'est mon ami. Il n'est pas question qu'elle finisse dans une soupe quelconque.
À mon avis, tu devrais le lui dire. Si c'est vraiment ton ami, elle te croira. Dites, vous ne pourriez pas le faire à ma place? Les colères d'Eolus, c'est de la gnognotte à côté de celle de Bella. Hein? Tu nous demandes de jouer les intermédiaires entre toi et ta brebis? Rassure-moi, c'est une plaisanterie. Allez, mademoiselle, soyez sympa. En plus, je suis sûr qu'elle n'est pas très loin. C'est d'accord, on veut bien t'aider. Bon, allons la chercher. Bon, ça va, heureusement que Luc sait parler aux animaux. Elle est pas au fond, là? C'est pas la tienne, celle-là? Elle est là. Énorme. En plus, elle propose une énigme. Ben, voilà notre fugitive. Bella, je sais que tu te fais du souci, mais personne ne va te manger. Alors retourne autour de... bonsoir. Alors retourne auprès de Pieter, d'accord? Ben... Hein? Ce n'est pas pour ça que tu es parti? Mais pourquoi alors? Ben... Je ne sais pas ce qu'elle te raconte, mais elle a l'air remontée. Elle ne veut pas me dire ce qui ne va pas. J'ai l'impression qu'elle ne nous fait pas confiance. Ben... Oh, elle nous demande de prouver que nous sommes dignes de sa confiance. En résolvant une énigme. C'est très gentil à elle. 110! Patron coloré. Oh non. Oh, le retour des cubes. Le vendeur de cette boutique de cadeaux a une journée si chargée qu'il a court de boîte. Il décide alors de se servir d'un reste de carton rouge pour en assembler des nouvelles. À l'aide des patrons colorés. Démontrer qu'il est possible de construire 8 boîtes avec une seule feuille de carton. Toute la feuille de carton doit être utilisée, les patrons colorés ne peuvent pas se chevaucher, bien évidemment. Bon. Eh bien, c'est super. Là aussi, je pense que l'astuce, c'est de partir d'en haut. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va les réunir en bas. Et on va tester au cas par cas. Donc, lui, pour l'instant, c'est Niette. C'est même sûr que... Ah mais on peut pas les tourner? Ah mais si on peut pas les tourner, c'est plus simple. Lui, ça marche. Lui, ça marche aussi. Lui, non. Lui, ça peut être oui. Non. 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 Ben ouais, on peut pas les tourner. Donc ça fait une contrainte en moins déjà. Ok, ces trois-là sont oui pour aller dans la première. Un mec comme lui, il peut pas tourner. On va rien pouvoir mettre qui fait 3 de large, là. Donc lui, il devient non. Ça, par contre, ça me semble tout à fait envisageable. Et même celui-là, d'ailleurs. Là, un des deux est bon. Mais lequel ? C'est une bonne question. Lui pourrait aller là. Lui aussi. Lui non. Lui non plus. Lui n'en parlons pas. Et celui-là non plus. On peut faire ça comme ça. Qu'est-ce qui pourrait aller dans la dernière case là? Il faut réfléchir à ça aussi. La croix peut y aller parfaitement. Ça veut dire que lui n'y va plus. C'était quoi la troisième pièce qui pouvait aller en haut? Je sais plus. Je me suis perdu. Perdu. Celui-là, on a dit oui. Celui-là, il n'y a aucun qui peut rentrer derrière. Donc lui, je pense pas que ce soit bon. Et on avait dit lui. C'est un des deux là qui va complètement à gauche. Ça, c'est sûr. Ensuite, qui peut aller là? Il y a le rose qui peut y aller. Le bleu, non.
Ah, celui-là, il peut y aller avec lui. Ah, attendez, là on a un dos. Un dos se dégage. Ouais, lui ne peut aller qu'ici. Ça va là. Ah non, ça... Merde. Ah. Non, on s'est baisé. Ou alors c'est pas lui qui va là. Exactement. Exactement. Je vois tout à fait le dos. C'est téléchargé. Est-ce que ma réponse est la Ah, j'ai bonne? obligé de vous changer l'écran. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est génial! C'est super. Ah si, je l'ai fait, pardon. Beau travail. Voilà 8 nouvelles boîtes cadeaux. Et grâce à vous, le vendeur n'aura pas de corvée de ménage. Ok, très bien. Ben, on a réussi. Alors, est-ce que tu vas nous dire pourquoi tu t'es enfui? Ben. Ah, je vois. D'accord, nous allons le lui expliquer. Bien, comme je n'ai rien compris, je te laisserai faire, Luc. Ben. D'accord, à tout de suite. Putain. Doubleur de chèvre ici, depuis 1872. Ah, Bella! Te voilà. Mais où étais-tu passé? Je me suis fait un sang d'encre, tu sais. Ben. Tu sais que j'ai envoyé des gens à ta recherche? Je crois bien qu'ils sont partis pour rien, finalement. En fait, c'est lui qui l'a convaincu de revenir, mais ce serait trop long à expliquer. En tout cas, je suis content que tu sois revenu. Je vais enfin pouvoir me moucher. Quoi? Il utilise la laine de son mouton comme mouchoir? Quelle horreur! Peter, arrête ça tout de suite. S'il s'enfuit, c'est justement à cause de ça. Hein? Mais de quoi tu parles? Elle n'aime pas que tu arraches sa toison pour te moucher. Bé! Mais j'ai le rhume des foins, il faut bien que je me mouche. Je ne vais quand même pas faire dans ma manche, pardi. En plus, la laine de Bella est toute douce et moelleuse. C'est vraiment un bonheur de se moucher dedans. Bé? Bella, tu veux nous dire quelque chose? Bé! Tu es sûr? Alors, Luc? Maintenant que Pieter a dit que sa laine était toute douce, ça ne la gêne plus qu'il s'en sert pour se moucher. Ces deux-là sont bien assortis. Bé! Bella! Et moi, on va pouvoir redevenir les meilleurs amis du monde grâce à vous. Merci beaucoup. Je suis content qu'on ait pu vous aider. Mais n'utilise pas toute sa laine, sinon elle attrapera froid. Ok, super. Ne t'en fais pas, j'ai tout prévu. Si mon nez ne s'arrête pas de couler, je compte bien le boucher avec la laine de Bella. Mais. Super. Allez. J'en ai ras le cul de faire le mouton. Un Yeti dans le café. Un homme appelé la police de Friendburg après avoir aperçu le Yeti dans un restaurant. Les enquêteurs n'ont trouvé sur place que des restes de ragoût. Non mais c'est Jean-Michel avec sa laine, il s'est déguisé et hop, il est parti. Non, 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 ta, 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 ta. Ok. Friendburg. Par contre, il était où le café? Je me souviens plus. Eh bien, le ragoût en train de mijoter dégage des effluves particulièrement agréables. Dites, vous vous souvenez de cet article? Le Yeti aurait été justement été aperçu dans ce restaurant. Nous devrions enquêter. Ah, tu as raison. Je me souviens de l'entrefilé du World Times à ce propos. Je n'accorde aucun crédit à cette rumeur. Les preuves font cruellement défaut, mais nous pouvons toujours interroger les gens. Attends, je vais parler à Jean-Michel.
Ouais, il a rien à dire. Quand vous serez plus là, ce sera à moi de protéger le village. Ok, merci. Na 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 na. Coupe des glaciers. En voilà une. Mais, papy, j'adore m'asseoir au comptoir et discuter avec le chef. On profite du repas différemment quand on le prend au comptoir. Je préfère les tables, moi. Il y a plus de place pour déposer les plats. Niam, sur la goût, sont drôlement bons. C'est simple, les effluves doivent suffire à attirer de nombreux clients. Vous croyez que c'est le plat du jour? J'aimerais beaucoup y goûter. Allez, en voilà une. Voilà. Ah, j'allais dire deux fois, ils ont pas eu d'imagination là pour le coup gameplay, mais tout va bien. Ah, ici peut-être. Ces pommes de terre semblent tout juste sortir du four. Miam, des pommes de terre au four. Est-ce qu'on peut y goûter? Ces pommes de terre sont fort appétissantes, je l'avoue. Appétissantes, pardon. J'ai pu lire. Ah, en voilà une. Ok, bonjour monsieur. C'est pour une énigme. Bonjour, une table pour 5 personnes, s'il vous plaît. Rire. Je me fais une joie de vous proposer une table, mais je ne suis qu'un simple client. Demandez plutôt au patron. Oh, vous êtes un client, vous aussi? Dites, est-ce que vous auriez vu le Yeti dont on a parlé dans les journaux? Oh, vous êtes venu à cause de cet article dans le World Times, c'est ça? Oui, exactement. Rire. Dans ce cas, je peux vous faire rencontrer le Yeti en personne si ça vous intéresse. C'est moi, figurez-vous. Comment? Le Yeti, c'est vous? Mais ça n'a pas de sens. Alors comme ça, je suis une célébrité maintenant. C'est ce que j'appelle une bonne nouvelle. Rire. Tenez, je vous offre cette énigme puisque vous avez pris la peine de venir jusqu'ici. Oh merci, trop d'honneur. 40 picards à énigme, 111, le triple 1, gestion de stock 2. Un commerçant vient de recevoir un grand nombre de caisses de bon matin. Les caisses doivent être triées en pile de la même couleur selon l'ordre suivant, de gauche à droite, rouge, bleu, vert, jaune. Il est possible de déplacer jusqu'à 4 caisses à la fois, mais une pile ne peut pas en contenir plus de 6. Le magasin ouvre bientôt, il n'y a pas de temps à perdre. Organisez les caisses en 30 déplacements maximum. Ok, donc c'est rouge tout à gauche. Rouge, jaune, vert, bleu, c'est ça? Non, rouge, bleu, vert, jaune. Ok. Déjà, on va faire ça comme ça. Non, soit je les ai tous. Tac, tac. Si ça va le faire, si je fais ça. Voilà. Facile. Voyons si c'est bon. Bon, je pense qu'il y avait moyen de le faire en moins de 25 déplacements, mais... Bon travail. Ce pauvre commerçant en est épuisé. Mais tout est en ordre pour l'ouverture. Bravo. Nouvelle article de prêt à porter valise de luxe. Rire. Bravo, félicitations. J'imagine que vous avez mérité que je vous donne une interview. Pour tout vous dire, vous ne ressemblez pas vraiment à Yeti. Bien sûr que non. C'est parce que je ne porte pas ma combinaison intégrale spéciale grand froid. Pardon? La dernière fois que je suis venu ici, c'était pendant une méchante tempête de neige. J'avais mis ma combinaison intégrale. Dès que j'ai franchi la porte, un type s'est mis à crier « Le Yeti! Le Yeti !» et la rumeur a commencé à circuler. En y repensant, j'aurais peut-être dû secouer toute cette neige avant d'entrer. Rire. Toute cette histoire n'est donc qu'un malentendu. Ce ne doit pas être facile pour vous avec tout le tapage qui a eu lieu autour. Bah, ce n'est pas désagréable d'être une célébrité. Ce n'est pas toujours qu'on vous confond avec un être légendaire. Je suis déçu, j'aurais bien aimé avoir l'occasion de discuter avec un véritable Yeti. Rire. Mais n'hésite pas, mon garçon. Georges, le Yeti est toujours disponible pour un brin de Cosette. Oh. Bon, bah super. Ma petite mésaventure a fait pas mal de publicité à cet endroit. C'est bon pour le tourisme.
Si ça peut permettre à des gens de découvrir ce merveilleux restaurant et son succulent ragoût, c'est tant mieux. C'est vrai qu'il a l'air succulent. Et il n'y a pas le grand patron. Bon, très bien. On va quand même découvrir le nouveau lieu. Hop, les pires remparts. Da 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 di di da da. L'emplacement de cette cité était inscrit sur les murs du dôme Aslante. Je sens le pouvoir des Aslantes résonner en moi. Une pierre d'éveil se trouve forcément près d'ici. L'architecture Aslante se retrouve dans les murs de cette cité. Oui, nous devons être en bon endroit. Commençons notre enquête. Ok. On va juste faire la petite introduction de l'endroit. Et on arrêtera là l'épisode. Oula, l'ambiance est délétère. Y'a rien. Avec un peu de chance, nous mettrons la main sur l'œuf en rien de temps. Ces rues me rappellent Londres, en beaucoup plus calme. Sommes-nous bien sûrs que l'œuf se trouve dans cette ville? D'après la légende, au cœur de la cité d'Alsomnia, sommeille le phénix éternel. S'il y a un oiseau, il y a sûrement un œuf. Je me demande s'il n'y a pas un rapport entre la légende du phénix et celle des cavaliers du ciel. Rien ne permet de l'affirmer, mais compte tenu de la présence de ces murs Aslantes, c'est une hypothèse intéressante. Tout ça est très encourageant, mais par où commencer? Ces rues sont complètement désertes. Les habitants sont peut-être tous chez eux, frappant à la porte de la première maison sur notre chemin. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. Des bisous YouTube.